Et salut à tous, c'est Steph, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur PUST, la carrière avec le Paris FC. Aujourd'hui dans cet épisode on va faire un match, comme sur FIFA contre Paris, hein, voilà. Cette fois-ci c'est en quart de finale de Coupe de France, et ensuite on aura un match de Ligue 1 contre l'Olympique Lyonnais. Deux gros rendez-vous, alors qu'on est toujours deuxième, on est toujours dauphin de Paris, avec pas mal d'avance sur le troisième, donc on est plutôt bien, même si on a perdu pas mal de points. Lors du dernier live, alors c'est qu'est-ce qu'on a fait lors du dernier live? Alors on était au début du mercato, on était pendant le mercato. On n'avait pas joué contre, je crois qu'on avait fait ça. On avait fait ça? Je sais plus. Je me souviens plus qu'est-ce qu'on a fait au dernier épisode. En tout cas, vous voyez les résultats, on avait gagné 3-1 contre Rennes, on a gagné 4-0 contre le LOSC, on a perdu 1-0 contre l'Estac. On a gagné 2-0 contre Paris. Je crois qu'on avait repris le live par celui-là. Il me semble. Ensuite, on a gagné contre Stade Reims 3-0. On a gagné contre Lille 1-0. Pourquoi on a joué Lille là et Lille là? En coupe alors. On a gagné contre Lorient 2-1. On a perdu 3-0 contre Sochaux assez sèchement. Et ensuite, on a regagné 3-2 contre Lens. On a perdu 3-0 contre Sochaux. Bah, c'est le match typique où tu ne peux absolument rien faire. Et là, on va jouer contre Paris et contre l'Olympique Lyonnais. Ça va être intéressant. Alors, je ne sais plus ce qu'on a fait depuis le dernier épisode. Je ne me souviens plus. Alors, voici l'équipe. Alors, vous voyez que les noms sont écrits en minuscules. Voilà, enfin, il y a la majuscule et le reste du nom en minuscule, ce qui est tout à fait normal. Ce qui fait déjà beaucoup, beaucoup plus propre. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc, c'est parce que voilà, j'ai mis à jour le jeu avec le patch du mode hein, que j'utilise. Et du coup, ça a fait ça. Ce qui est cool. Donc vous voyez, pour ceux qui ne savent pas, les nouvelles recrues qu'on a. On avait pris Jordan Ibe. Je crois qu'on l'avait pris qu'au dernier live, lui. On a pris Rami aussi, puisqu'on a vendu... On a vendu un défenseur, je ne me souviens plus du nom. On a pris Nkoudou en pré-contrat. En pré-contrat qu'on a eu de suite, quasiment. On l'a payé 400 balles, de son salaire en fait. On a eu Gomez aussi pour 200 balles. Il a 77 de gêne. Je ne vais pas l'utiliser. Je l'ai clairement acheté pour le revendre après. Comme Nkoudou. Parce qu'Nkoudou, je sais pas. Si vous voyez, si Nkoudou, je le mets là. Il passe direct à 69. Il n'est pas terrible. Bon, si les stats, c'est les stats. Hein, c'est la vie. Il a des capacités plus élevées que l'esprit entendre ce 69 que lui donne le jeu. Mais bon. Voilà. Je pense pas trop l'utiliser. Même s'il a un beau 79. Je pense pas trop l'utiliser. J'ai surtout pris pour le revendre après, parce que je peux le vendre 2 ou 3 millions, même si je suis déjà riche. Donc voilà, la dernière fois on avait joué Paris comme en noir, je crois. Hein. Donc on va le jouer en blanc, aussi, sinon c'est trop... J'ai l'impression de jouer Paris dans toutes les vidéos, en fait. Si vous regardez... je sais pas quand est-ce que sortira ma vidéo de FIFA, mais si vous regardez ma vidéo de FIFA, on a joué contre Paris aussi. On va faire jouer Distin, Subasic est en forme, est-ce qu'on fait jouer Subasic? Bah, ils ont quasiment le même niveau. Caballero il a 75, c'est un peu meilleur. On va se garder Caballero. Timochu qui est pas en forme, on a assez peu de remplaçants à part Reno. On a failli vendre Reno. Au milieu du terrain, on a moins de demandes qu'avant. On a beaucoup plus d'attaquants par contre. On a Gignac. Est-ce qu'on laisse Martial? Oui, il est en pleine bourre. Des Wingy. À la place de Di Natale. Et puis Gomez. Gomez, je peux que le mettre là-haut. Ouais, c'est à peu près Martial, mais on peut plus défensif. Ouais, non. Je pense pas l'utiliser, Gomez. Hein. Je suis clairement pris pour l'argent. Le mec, tu sais. Ouais, mais toi, je te prends mon petit, mais bon, c'est juste pour te revendre après, quoi. Manière que le club il gagne un peu d'argent, mais c'est tout quoi. Rien de personnel, c'est que du business. Bon. On joue à la maison. Et bizarre nos stades. Hein. Tellement riche, on a fait construire un grand stade. Je déconne. Ils sont contents, toutes ces stars, ces jeunes stars. On rappelle hein, l'histoire du cheat pour ceux qui ne suivent absolument pas les carrières et qui ne comprennent rien. Oui, on a mis l'affichage Ligue 1 aussi, tiens. Alors qu'on est en coupe. Oui, bon, c'est pas grave, hein, on s'en fout.
Wow. Ah, dommage. Avec le canal plus sport là-haut. On va croire, oh, c'est des images officielles. Ah, j'étais sûr qu'il allait me piquer le ballon, j'étais sûr, quoi que je fasse. Ah non. Autour du gardien de jouer. Bon, ce n'est que le début du match, mais on attend que ça s'emballe un peu. Ouais, effectivement. Ouais. Bon, faut quand même se méfier. Parce qu'ils vont avoir à cœur de se venger. Ah là là. Ah, dommage. Bon, bien joué. Ah non. Oh là là, ça par contre c'est un gros tacle. Un gros tacle dans les pieds. Oh non, la profondeur. Oh là là, ça passe à côté. C'était chaud. Est-ce que je vais prendre un carton? Ouais. Putain, ils ont un milieu ultra resserré là. Bah, excuse-moi. Hein. Non. Oui, c'était bien parti, mais c'est pas allé au bout. Andersen. Ah, le petit décalage au dernier moment sur le tacle. Cabaye qui est encore là. Il était titulaire, je sais pas, fait gaffe. Ça sent l'ouverture du score. Ah. Allez, la passe en profondeur. Est-ce que Coman a frappe? Oh là là, c'est bien capté par Sirigu. Bien joué. C'était une belle contre-attaque. Allez, on va se méfier du pressing. Allez, dans l'espace, pour Odewingi. Odewingi, la frappe et le but. L'ouverture du score d'Odewingi. L'ouverture du score. Bien joué. Bien joué, bel espace. Bel espace bien trouvé. Et Sirigu qui ne peut pas grand chose. Même si j'ai cru qu'il allait la capter. Il était pas loin, à mon avis, du ballon. On a bien joué de la part de Martial. Le bon décalage, le très très bel appel de Dewingi. Là, j'ai eu peur que ça soit touché par les défenseurs, à moins que ça ait été touché. Je ne sais pas. Bien lancé par Martial, en tout cas. Non, c'était à la limite. Bien joué, Dewingi. Il a fait ce que Coman n'a pas pu faire tout à l'heure. Effectivement, c'est un but qui vaut cher. On est en coupe, donc tout peut arriver. Oula. Allez. C'est ballon pour qui? Je ne sais même pas. Pour eux. Wow. Wow. Je dégage parce que c'était bien joué. C'était très très bien joué cette occasion-là de Paris. Et là, tu la montres pas. Allez, Caballero, tranquille. Il est bien Caballero quand même. Hein. Comme je le disais lors du dernier live, je le trouve bien plus... Il me donne... Oh putain, c'est mal joué ça. Il me donne bien plus confiance que ce que me donnait Sech comme confiance, quoi. Peut-être Sech, je le trouvais pas terrible, tu vois. Ses interventions, je le trouvais pas toujours juste, pas toujours bon. Il prenait des buts souvent un peu cons.
Caballero, il fait des arrêts au moins. Oula, ça c'est bien joué. Oh. Ah dommage. J'allais passer à Martial et on allait en contre-attaquer comme des fous. Mais non, mais non, mais non. Allez. Ouais, on a parce qu'on n'a pas la possession. On joue un petit peu en contre, ce qui n'est pas notre jeu habituel. Wow. Non. Ah, t'as été con. Ouais, il a été con, Coman. Allez. Ah non, Odemwingi, non, mais tu me dis que t'y vas et après t'y vas pas, quoi. Ouah. Ah. Ça passera sur le côté. Ouais, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Interception, bien joué. Bien joué, là. Ouais, c'était bien dans l'idée, mais personne pour la reprendre. Il y avait de l'idée, là, mais le geste n'a pas suivi. What? Oh putain, il s'est relevé trop vite. J'y crois pas. Allez, pour Coman. Ah, Coman de pénalty. Monsieur l'arbitre. Allez, sort en touche. On reprend un peu la main sur le ballon. Enfin, la main sur le ballon. Le foot, c'est un peu compliqué. Ah. Ah. Allez, Ferdinand. Waouh là là. La tentative. C'est bien, il faut continuer comme ça. Allez, on relance. Allez, on relance. Ah non. Putain, il m'a bien mindé. Voilà. Allez, il revient à la faute, ouais. Il revient à la faute. Je sais plus à combien de minutes on est, à 71e, on va faire des changements. Nous aussi, Andersen, qui est fumé. Coman, qui a du mal, on va faire entrer... on va faire entrer Hybe. Et entrer Di Natale sur son bon côté. Distin est un peu cramé, mais bon, j'espère que ça va aller. J'ai changé un peu les numéros des maillots. À part ceux qu'ils avaient déjà depuis un petit moment. Hein. C'est-à-dire surtout des nouveaux joueurs. Ah non! Quelle mauvaise passe! Allez, bien joué, Caballero! Allez! C'est bien donné pour Hybe! Pour Hybe et le but! Le but de Jordan Hybe! Le but de Jordan Hybe! On n'avait pas pu l'avoir en début de saison, je crois. Et j'ai pu l'avoir au mercato d'hiver. Il m'a fait un espèce de contrôle assez chelou quand il a récupéré le ballon. Caballero qui est content. Bien joué, la belle contre-attaque. Double passe D pour Martial, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et il est tout seul. Hein. Il m'a fait un truc bizarre. Hein. Ouais, je sais pas. Il a fait un contrôle assez chelou. Est-ce qu'on peut pas voir ça? Bien joué, Martial. Bien lancé. C'est là qu'il fait un contrôle un peu chelou avec ses pieds, là. Ah oui. Ouais, ouais. Le contrôle stylisé, tu vois. Ça, c'est du contrôle stylisé, ça. Hop là.
Et ça passe. Entrée de Di Maria. Ouais. Bien joué. Bien joué. Allez. Ah, dommage. Putain, Marcel. Il partait vers le haut, Marcel. Alors, du coup, j'ai fait la passe. Je voulais faire une passe vers le haut. Allez, c'est bien joué. La frappe. Oh là là, le bel arrêt de Sirigu. J'ai frappé de loin, mais j'aurais peut-être pu m'avancer. J'aurais peut-être pu m'avancer. Encore une fois, Martial. Un petit peu, qui joue un petit peu au pivot. C'est Jordan Ibe qui tire. La tête, non pas la tête. La frappe. Oh là là, elle était pas mal. Elle était pas mal cette frappe. Ibe qui tire pour la tête de Di Natale et ça passe à côté. Le plus petit qui met la tête. Ça arrive. Ça arrive souvent. Hop là. Allez, ça c'est bien, bien joué là. Voilà. Ouh, c'était pas trop mal joué. C'était pas trop mal joué, mais c'était un peu trop haut. C'est qui m'a fait ça? C'est qui? Je le reconnais pas, le garçon. C'est qui le garçon qui fait la passe, là? Le Parisien, c'était qui? Oh! Oh là! Ah! J'ai pas pu la dégager. Odegaard qui a perdu la balle assez lâchement. Enfoiré! Oh! Le coup de tête et la réduction de l'écart. Caballero qui est pas sorti. Et c'est Marquinhos. Ouais. Caballero qui a pas su. C'est la réduction de l'écart à 2-1. Ouais, effectivement. Ah, dommage. J'aurais pu couper. Le petit Di Natale qui pique le ballon, bien joué. Ouah, oh, dommage. Pas assez puissant. Oh là. Ah. Putain. J'ai failli la filer. Ouais, ça peut faire l'égalisation. Ça peut facilement faire l'égalisation. Il y a des bons tireurs du côté parisien. Oh putain, tu m'as fait peur. Ferdinand, il m'a fait peur. J'ai cru qu'il allait rendre le ballon à l'adversaire. Et c'est la victoire en Coupe de France. On gagne 2-1. On arrive en demi-finale. Simone de Beauvoir a écrit que toute victoire se change un jour en défaite. Peut-être bien, mais laissons les joueurs profiter de ce match gagné. D'accord, c'est quoi cette citation? C'était quoi cette citation? Ode Wingham du match. Marcel était pas mal aussi. De passe D, il était pas mal. C'est rien. Bon, c'est la victoire de 2-1, ça fait toujours plaisir. On devrait tomber contre Monaco. Et de l'autre côté, ça va être Stade de Reims, encore une fois, contre Montpellier. Gomez, il est monté à 77, il avait déjà 77. Ah, il est nouveau dans les négociations pour Jiménez, le défenseur uruguayen. Pour l'acheter 12 millions, ça fait pas cher. En plus, c'est un contrat de 5 ans. Il est leader, il a 24 ans seulement. Il a 83 de général. Ah, merde, mon effectif est trop étoffé. Forcément, il fallait bien qu'il y ait un problème. Diallo à 79.
Capino à 78. Diakité. Ouais, on va rester sur Caballero. Eh bien, il est jeune. Bon, je réglerai le problème de Guiménez. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je vais le prendre ou pas? J'ai largement les moyens. Bon, un autre match. Ah, bah, c'est vrai qu'on a une semaine. Du coup, tout le monde est en forme. Ah, et B est en super forme. Fernandinho est en super forme. Donc, on va jouer comme ça. Pugrenier est en super forme. Nkoudou est en super forme. On va faire jouer Nkoudou quand même. Tardelli est en super forme. On va faire jouer quand même les gens qui sont en forme. Gignac. Sissé, par contre, il n'est pas en forme. Timochouk à la place d'Hendrix. Allez, c'est la fête. Gomez. Ouais, Gomez, j'aurais du mal à le faire jouer. Tardelli à la place de qui? À la place d'Odewingi. Repos d'Odewingi. Nkoudou Aïbe. Nkoudou qui a un petit peu de mal, hein, vous voyez, il est pas très bien. Hein. Alors que Aïbe, hein, pourtant, il est déjà. Enfin, il est pas depuis plus longtemps qu'Nkoudou, mais pourtant, il est déjà un peu mieux dans l'équipe. On le voit. Il est un peu mieux dans l'équipe. Bon, il a que 69 et Nkoudou quand il est là, bon, c'est pas grave. Hein. Face à l'équipe lyonnaise, avec Benzia et Yatara devant. Ils ont vendu... Ils ont Thorgan Hazard, et ils l'en réserve, ils le font pas jouer, vous êtes fous. Vous êtes fous. Qu'est-ce qu'ils ont? Bon, après... Ils ont encore NJA, oui. Et pourquoi ils ne me font pas jouer Cornet alors qu'ils ont un attaquant qui a seulement 60 là? Ils n'ont pas compris. Allez, on va les faire jouer en rouge. Pour que ça flash. Et nous, on va tenter de pas trop mal jouer. On fait jouer les gens en forme, ouais, comme ça. Je suis entre leurs coups. Allez, un gros match contre l'Olympique Lyonnais. On a quand même une belle équipe, hein. Même ne serait-ce qu'en vrai joueur, on a Hype, on a Martial, on a Coman, qui sont des vrais joueurs, les autres c'est des regen, hein, des jeunes. Mais on a quand même des beaux joueurs, hein, qui sont des joueurs normaux. Ah, dommage. La tête! Oh, le but! Oh, il est sublime! Il est sublime, celui de Martial. Non, c'est Hype, pardon. Je croyais que c'était Martial. Il se ressemble un petit peu dedans. Ah, c'est bien joué. La passe en arrière. Parce que je voyais que j'avais pas trop de solutions. Là, je voyais en bas, je le voyais. J'ai dit, allez, je vais tenter le centre. Le centre externe du pied d'Olebas. Pour la tête de Hype. Et c'est qui est dans la cage? J'ai pas vu si c'était Lopez encore. Non, Lopez est parti à Lens, c'est vrai. Lopez, dans la carrière-là, est parti à Lens. Parce que Lens est bien classé aussi. Et Hype de la tête. Qui vient, sublime, hein, franchement. Ce but de la tête, il est sublime. Le but de Jordan Hype. Très très bien cadré. On ne marque pas trop souvent des têtes, mais... Dès la quatrième minute. Que les fans... Allez, Nkoudou. Nkoudou. Ah merde. Bon. La touche. Ah, c'est pour nous? Ah, j'aurais dit pour eux, tu vois. Je pensais que c'était Nkoudou qui l'avait touché en dernier. Une très longue passe. Ça joue long.
Wow. J'ai cru que c'était l'égalisation. J'ai cru à l'égalisation lyonnaise. C'était bien joué. Au vu du gameplay, il est quand même sympa ce PES. On m'a beau dire, il est quand même sympa, mais c'est vrai que là, je joue les matchs en... Tu sens bien qu'un PES est fait pour jouer des matchs assez longs, tu vois. Oh merde. Ça va soulager un peu. Je tacle à retardement, trop tard. Je tacle à retardement en retard. Bédimo qui met l'accélération. Ah bon, c'est possible. La chance. C'est joué un peu trop long. C'est une équipe lyonnaise qui correspond pas du tout à ce que c'est en vrai. T'sais. Il y a la moitié des joueurs qui sont titulaires dans cette équipe-là qui sont même plus à Lyon. José Olebas, qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Olebas, la tête, la deuxième tête de Jordan Ibe. Le 2-0, le deuxième but de la tête pour Jordan Ibe, le doublé de la tête. Pourtant, il est pas, on peut pas dire qu'il soit très très grand. Olebas, encore une fois, au centre. Si, non, c'est pas un attaquant. Bon, c'est un milieu offensif. Encore une fois, Olebas, qui bien, prend bien le couloir. Hein. Il est très très bon sur le couloir, Olebas. Il fait des très très beaux centres. Bon, c'est pas très académique comme tête, hein, il faut l'avouer, mais bon, c'est... Le centre est quand même très très beau. La tête un peu poussée comme ça. Bien joué, ça combine bien sur l'aile gauche. Allez, ça fait 2-0 à la 23e. Oh, ça s'était pas trop mal joué, mais c'est un peu trop long. C'est un peu trop long. Allez, c'est joué long. Hop là, la frappe et le but. Magnifique. Ibe, la passe D. La passe D de Jordan Ibe. Très très beau jeu collectif. Ouais, c'est très très bien joué. Très très bien joué. Belle orientation du jeu par Andersen. Qui balance sur Ibe. Et là, la passe directe en première intention pour Martial. Qui avait un peu mindé les défenseurs auparavant. C'est très très bien joué. Hop là. Le petit relais de Ibe. Et là, Martial qui a plus qu'à ajuster. Hein, tranquille, il s'ouvre l'angle. Il n'a plus qu'à JC, ça fait déjà 3-0 à la 28e. C'est déjà un gros score. C'est déjà un gros score. Le Paris Football Club qui a quand même marqué deux fois en 10 minutes. Effectivement, c'est tout à fait ça. C'est bien, tu suis. Mais attention, attention à la remontada lyonnaise. Ça sera pas sur cette occasion-là. Sous cette pluie torrentielle. La frappe, oh, ça passe à côté. J'aurais dû tenter le petit lob peut-être. Le gardien qui était sorti un peu de manière bizarre. La main. C'est Georges Lin qui est dans les cages. On l'a tous eu. On l'a tous eu. Allez, Nkoulou. Hop là. Pause maintenant.
C'est vrai, il y a moins la moitié, si c'est pas les trois quarts des joueurs de qui jouent là actuellement pour Lyon, qui sont plus dans l'équipe, quoi. Qui sont plus en vrai dans l'équipe, quoi. Ça tue, ça, quand même, hein. La frappe d'Enkoudou, oh, la transversale d'Enkoudou. Oh, dommage. Allez, peut-être Olebas qui sera un peu plus chanceux sur son centre. Non, dommage, personne n'avait suivi. Voilà. Olebas, le centre, non. Dommage. T'es limite hors-jeu. Monsieur l'arbitre, on n'a pas sifflé de hors-jeu. Ah. On avait presque récupéré le ballon. Et c'est la mi-temps et ça fait déjà 3-0. L'addition est déjà assez salée pour l'Olympique Lyonnais. 3 cadrés et 3 buts. Là, on est bien. Pourtant, on a galéré en live, hein, dans son dernier live. Après, quand on n'a pas d'autres défenseurs, on n'a pas trop le choix. Moi, si j'ai Réveillère qui prend un rouge, je passe à 3 def. Hein. Allez, l'Olympique Lyonnais, peut-être. Qui se réveille? Avec une petite incursion dans notre camp. Ah, dommage. Dommage, parce que ça repartait. Ça repartait, ça aurait pu être dangereux. Ça jouait bien en passe sur le côté, là. Allez, on va essayer de pas trop pousser sur les joueurs. Pas trop les fatiguer non plus. Allez, bien joué. Bien joué, Andersen. Ah, dommage. Dommage. J'aurais pu rebalancer. Ça aurait pu donner une bonne occasion pour Martial. Il aurait été tout seul. 60e, on va peut-être faire un petit peu de changement. Peu de remplacement sur le prochain arrêt de jeu, si jamais il y en a un. Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. Frappe de loin, bel arrêt. Allez, on relance. Allez, la contre-attaque pour Martial. Hop, merde, non, je voulais faire un petit crochet. Je voulais faire un petit crochet, mais il n'est pas passé, mon crochet. Il a eu trop de vitesse. Il était parti. T'as un faucon. Il fondait sur la cage. Allez, Timotchouk. Allez, ça joue en 1-2. C'est un bon ballon. Il allonge. Martial. Ouais. Ah. Ah, dommage. Dommage. Fernandinho qui était reparti. On n'a pas eu d'arrêt de jeu pour le moment, donc on va quand même prévoir les changements. Des fois que je les oublie. Andersen qui va sortir en train de... Allez, Diego Tardelli. Du coup, si, on peut, je peux faire la doublette. Nkoudou Coma, Nkoudou Di Natale. Et on va même inverser. On va se payer le luxe, même si Coman perd un peu de notes. On va se payer le luxe d'inverser pour une fois. On va changer les deux. Attends. Tant que j'y pense, j'ai pas changé la position de... Si, c'est bon. Impeccable. Je sais plus si je l'avais changé. Allez, ça joue beaucoup en 1-2. Essayons de pas encaisser, ce serait bien. Bah, c'est calme cette seconde période. Ouais, assez stérile, hop là. Allez, Martial, est-ce qu'il va pouvoir? Non, il a pas pu. Timotchouk. Non,
C'est pas Marcel qui récupérera. Il le retrouve. Bonne interception sur cette Wow. Martial. Dans le dos de la défense. Allez, dans le dos de la défense pour Nkoudou. Allez, ça lance pour Martial, mais Martial il n'a plus de jus. Oh merde. J'ai pas cru que je... Putain, j'avais pas vu que j'allais l'avoir. Bien joué. Bien joué. Ouais, ouais, ouais. Ça lance du côté de Martial. Non, non. J'ai trop accéléré. J'ai trop accéléré. Le chat qui fait les siennes. Bien joué Coman. Mais c'est fini, il n'est pas rentré pour longtemps. C'est la victoire 3-0, tout s'est fait en première période. Deuxième période assez calme. Oh, on n'a pas fait plus de tirs. Et c'est un Jordan Ibe à 8-5. Qui est l'homme du match. Très très bon match Jordan Ibe. Le doublé de la tête. Et la passe D, le doublé de la tête et la passe D. Lens qui gagne encore, hein, Lens qui revient, ils sont bien en quatrième. Ils ont fait une belle équipe, hein, Lens, quand même. Hein. Et on est à 60 points. On est à 8 points de Paris, donc on est quand même assez loin. Et le prochain match se fera contre le FC Metz. On s'approche petit à petit de la fin de la saison. Mine de rien. Très très beau doublé de Jordan Ibe. Il y a toujours le cas... Le cas lui, voilà. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me fera très très plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager sur les réseaux sociaux et à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de notre aventure sur PUS16, la carrière avec le Paris FC. Allez, ciao.